En 2014, dans l'intitulé que j'avais proposé pour cette chaire d'abord dite thématique puis internationale, selon les catégories du collège, j'avais associé les deux termes d'architecture et de forme urbaine. Au cours des 7 saisons qui viennent de s'écouler, je n'ai cessé, si je puis dire, de naviguer entre ces deux échelles, l'une relative aux édifices et l'autre aux formations plus vastes qu'ils génèrent ou dans lesquelles ils s'inscrivent. L'intention sous-jacente au cours de cette saison est délibérément urbaine cette fois. C'est sur les villes et leurs éléments constitutifs que je m'arrêterai, dans une sorte de mouvement enveloppant qui, on considérera, on examinera un certain nombre, saisis en général, à un moment précis de leur histoire, en général.